Et bien bonjour à tous les amis Shidoba, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Brice, c'est le Togro. Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo nous allons réaliser un parcours fait par Xem et un abonné. Donc voilà, nous allons lire les petites instructions. Donc voilà, bienvenue à toi, tu dois finir le parcours pour avoir un screen like Shadowbass. Bonne chance à toi. En gros de base c'était une idée qu'on devait faire en live, mais du coup on va enlever ça et on va enlever ça. Et voilà, idée par Xem TV et Uzumaki. Donc voilà, nous allons commencer le parcours avec Brice, nous allons voir qui finira le truc en premier. Bon, t'es chaud? C'est moi mec, cherche pas. Vas-y, bah 3, 2, 1, let's go! Putain, bâtard, ça commence avant. Bon, non. Faut savoir que moi je suis en créatif et que je peux pas mettre en game mode 1, donc ça compte quand même. Ok, okay. D'accord. T'es tombé, gros. Ok, je suis tombé, donc je t'attends. Ah oui, en plus, t'es super avantageux du coup, parce que t'es en GM1, hein, gros. Ouais, on va dire que. Bon, vas-y. Oh putain, mec. Ok, ça va. Ok, ça va. Ok, non, oh, je suis tombé. Ah, ok, d'accord, je suis tombé moi aussi. Ok, ça c'est bon. Ah, ouais, c'était facile. Oh non, pas ça, putain. Oh non, je déteste ça. Attends, je vais te dire. Mets-toi entre et donne-moi tes coordonnées. Ici là. Donne-moi tes coordonnées Z. Ouais, tu là. Vas entre. Tu te mets entre et tu me donnes tes coordonnées Z. 3, 2, 1. Et voilà. Wow, mais t'as un taré en parcours. Tu sais quoi, je te spec, moi. Moi, je te spec, vas-y, go. Il y a une échelle, derrière. Oh, ça va, mec, j'ai cru, j'ai recommencé depuis le début, mec. T'inquiète. Checkpoint quand même, hein. On est pas des bâtards, c'est pas. Super, je commence au début. Ah, j'ai réussi. Attends. Ok, je vais arriver. Oh, j'ai réussi. Ah non, j'ai fly, merde. One eternity later. Vas-y, viens, hop, ici. Viens, viens. Vas-y, j'arrive parce que c'est quand ça me casser les couilles. Ok, les amis, donc c'est parti, on a réussi la première épreuve. Donc là, lis la petite question. Brice, je te laisse lire. Alors, première question, est-ce que Shadowbuzzer habillé ou à poil? Écoute, mec. Je sais pas. Bah. Mais logiquement, après voilà, je sais pas, moi, perso. Choisis. Vas-y, bah, tu sautes et tu verras. Oh, salé! Allez! J'ai cru que j'avais été fait biter, mec, j'ai dit merde! Faut pas vous dire que Xem c'est un fils de pute. Je t'emmerde! Je sais pas donc. Je sais pas, ça c'est Xem. Xem, mec, t'es chelou, gros. Je sais pas donc. Bonne réponse. Oh, sa mère, en fait, c'est tout le contraire quoi. C'est Olav et après Lav. Oh. Ok, bon, c'est pas grave. Super, je recommence au début. Nickel, allez. Nickel, parfait, Xem mec. Oh, eh. T'as de la chance. T'as encore les échelles, je crois. Ah, mais tu recommences depuis le tout, début. Oui. Ah ouais, gros. Ah, regarde, c'est le jeu du premier coup, bien sûr. D'accord. Mauvaise réponse. Oh putain, j'ai un cœur ennemi. Ah, vous t'as cru que t'allais mourir. Non, c'est pas ça. Ouais. Regarde. C'est totalement ça. C'est Xem. Mec Xem, gros. Ok. T'es chelou, gros. C'est chiant, c'est l'escalier, non? Oui, je confirme que oh, c'est chiant. Oh, le bâtard, je peux même pas y aller dessus. Oh, le fils de chien. Mais c'est un bâtard, Xem, laisse tomber. Mec, il est tellement casse-couille. Okay. Maintenant, c'est le labyrinthe, mon rey. Ah, oh, sa mère. Ouais, okay, j'ai le spec d'en haut. J'avais ma petite technique, c'était F5, FOV à fond. Sauf que du coup, bah ça va pas être possible. Vas-y, bah je te regarde. Parce qu'il y a des glaces juste dessus. Je te regarde. Merde. Oh, je sens que ça te m'a pété les couilles, ça. Je déteste les labyrinthes sur MC, mec. Ok, attends. Ok, super. Nickel. Attends, je vais descendre, je vais te voir. Je suis la venue. Essaye de penser. Regarde-moi dans les yeux. Essaye de penser comme Xem. Alors, cette pute, il serait tellement capable. En fait. Attends. Non, ça c'est d'où je viens. Attends. Si j'arrive par là, logiquement, il va penser que la sortie soit là-bas. Non, donc, mais Xem, on parle de Xem là. On parle d'un gros FDP. Un truc. Je m'en souviens. Me dis pas que c'est ça, gros. Me dis pas que c'est le petit truc de lave qu'il y avait au début. Je suis sûr que c'est ce truc là. Je suis sûr que c'est ça, mec. Non. C'était pas ça. Oh putain.
Retour à la case départ. Mais c'est presque ça. T'étais dans la bonne réflexion, mais t'as trop reculé. Y'a un truc ici. Regarde partout, gros. Oublie pas. Comme je te dis, regarde partout autour de toi. Là. Là, juste là. Là. Bah, juste je sais là. Pas, essaye, on verra. Juste là. Bah, essaye, vas-y. Tu passes par le tunnel, tu ressors par là. Y'a saleté. Vas-y. Ok, oh là, qu'est-ce que ça fait ça? Ah, oui, là, c'est le petit. Ok. Putain de ta mère! Gros fils de pute, putain! Mec! Écoute, faut penser comme Xem, je t'ai dit. Quel enfoiré, putain. C'est là, c'est juste ici là. C'est possible, ouais. Voilà, grosse merde. Ok, nickel. Hop. Attends, deux secondes, faut que je me lumière. Deux secondes, faut que je me rappelle. Ah oui! Je suis là, aidez-moi, s'il vous plaît. Oh ah merde. Là, mon dieu, Shadowba, c'est là. Sauve-moi. Je libère Shadowba. Oui. Oh oui, j'appuie sur le bouton. Libère-moi. Ah! Alors maintenant, on va passer. Alors, ton avis sur le parcours, Brice. Comment tu as trouvé le parcours? Alors, ce parcours était vraiment génialissime. Je remercie Xem, Shadowba, vraiment pour m'avoir fait découvrir ce parcours de qualité. Je donnerai la note de 8 sur 10. Parce que 8 parce qu'il était bien et je t'enlève 2 points parce que t'es une grosse pute, voilà. Ouais, GG avec Xem. Et surtout GG à Usu parce que c'est quand même lui qui a fait la plupart du parcours. C'est la fin de la vidéo, voilà, je vais voir ce que je pourrais faire niveau montage. Et donc voilà, laisse pouce bleu, abonne-toi à la prochaine si je te bats cette vidéo.